qui m'est très cher aussi, j'ai été bouleversé par l'attitude belliqueuse de ce milliardaire juif Alain Weil. Ce mania des médias, président du groupe Nex Radio TV, le nom est aussi nul d'ailleurs que ses radios, qui a définitivement perdu son sang-froid. Tiens-toi, Alain Weil, tu dis n'importe quoi. Après s'être fait le champion 2012 de l'islamophobie, par la voix de sa radio poubelle RMC, après avoir craché à la gueule du petit français, du petit blanc, hein, éternel raciste, éternel délateur, il traite aujourd'hui les Noirs, de tous les noms. Ouais, nous sommes devenus la cible d'Alain Weil et de sa radio poubelle. Pour RMC, le fait que je me fasse traiter de sale nègre est tout à fait normal. Mais écoutez plutôt. Moi, je comprends pas, parce que on parle on parle sur les Juifs, sur les Arabes, sur les Noirs. Moi, à titre personnel, hein, j'ai envie de vous dire, je suis d'origine africaine, protestant. Aujourd'hui, moi, je suis fan d'un humoriste que je ne vais pas nommer, mais voilà, qui a été Dieudonné, bah dites-le, on est dans les GG. Dieudonné, donc si on est dans les GG, on va tout dire. Moi, j'ai sa page Facebook. Si vous regardez le nombre de personnes qui le traitent de sale nègre, qui vont l'assassiner, qui brûlent en enfer, etc. Ces gens-là, c'est sur Facebook et pourtant c'est encore plus régulé que Twitter, attention, parce que Dieudonné a eu des vidéos qui ont été enlevées de Facebook, etc. Ces gens-là n'ont jamais été, pris à partie ou autre. Je vais aller même plus loin, vous prenez le Bétard, qui aujourd'hui est considéré quand même comme une organisation terroriste. Oui, mais attendez, Floyd, je ne suis pas sûr que l'exemple Dieudonné soit le bon, parce que on n'a pas le traité de sa nègre, mais on a envie de dire, il l'a un peu cherché aussi, puisque lui-même a été très provocant. Rappelons qu'il a fait quand même monter sur scène un révisionniste qui a été condamné par l'État français. Mais revenons à Twitter. Sale nègre. Et c'est tout à fait normal. Et je l'ai bien mérité. Alors je lui réponds évidemment à Alain Weil que le nègre, il t'emmerde. Il t'emmerde, Alain. Attends, il faut savoir se tenir. Est-ce que moi, je te traite de sale youpin, par exemple? Je pourrais le faire. Tu l'aurais bien mérité. Mais je sais me tenir. Je veux dire, il faut qu'on arrive à vivre ensemble, aimez-vous les uns les autres, si possible. Si c'est pas possible, on voit ce qu'on peut faire. En précisant évidemment que tu l'as bien cherché, et tu le sais d'ailleurs. Mais cette haine viscérale du nègre, Alain Weil, va encore plus loin aujourd'hui avec l'affaire Nafissatou Diallo. Écoutez, c'est absolument hallucinant. Je suis très étonnée parce que connaissant un peu les décisions que l'on voit américaines, je trouve que c'est très très peu. Et donc ça me fait vraiment douter. Alors on saura jamais ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'elle serait pas si blanche que ça. Lâcher à 1,5 million de dollars quand on sait. Quand on sait ce que les juridictions américaines ont tendance à donner des dizaines, des centaines de millions de dollars, 1,5 million de dollars, c'est pas beaucoup. Je me demande si. Je veux dire, c'est peut-être épouvantable de dire ça, mais c'est une chance. Elle a dit c'est une chance pour sa fille. Elle a touché aussi de l'argent parce qu'elle a été accusée d'être une prostituée par un journal américain qui a été obligée de payer. Donc ça lui a déjà fait de l'argent. Et je me demande, c'est horrible à dire, si c'est pas ce qui lui est arrivé de mieux. Effectivement. Non. Il n'y a pas de prix d'un viol. Sauf qu'on ne sait pas s'il y a eu viol. Sauf que c'est pas non plus totalement un viol. Il s'est passé quelque chose. Non, sinon... On ne peut pas dire qu'être violé est une chance. Je n'ai jamais dit ça. Personne ne dit ça. Il n'empêche que pour lui, c'est une chance. Non, mais le destin de cette femme, il y a un an. C'était une femme de ménage qui gagnait 1000 euros. C'est un compte de fait. Non, c'est inadmissible ce que tu dis. Excuse-moi. Dans un pays où il y a 200 viols par jour, tu ne peux pas dire ça. Excuse-moi. Elle avait menti pour entrer dans ce pays. Elle a changé toute sa vie. Mais alors, c'est un compte de fait. Donc, tu es en train de dire que c'est un compte de fait. Attends, elle a menti pour entrer aux États-Unis. C'est très moche woman. En l'espèce, c'est quand même un tromblon extraordinaire. Compte de fait. Elle a rien pour elle. Elle ne sait pas lire, pas écrire. Elle est moche comme un cul et elle gagne 1,5 million. Voilà. Selon Alain Weil et RMC, donc sa radio, cette merde, Nafissatou est une pute qui a gagné au loto. Hein. Elle s'est fait violer par le juif Dominique Strauss-Kahn, son copain, qui fait partie de la même mafia. Mais c'est ce qui lui est arrivé de mieux à Nafissatou. Elle ne sait pas lire, pas écrire, elle est moche comme un cul.
Hein, elle a gagné 1,5 million, c'est quand même extraordinaire cette histoire. Merci Alain Veil. Et toi, tu gagnes combien, Alain Veil, en racontant tes conneries racistes et ordurières avec ta radio poubelle? Alors, elle ne sait pas lire et écrire. D'ailleurs, ça me rappelle là, un truc, ça c'est le Bernheim. Hein, c'est pas le grand rabbin, hein. Bon, tu me dis, c'est la même chose, c'est le grand rabbin. Mais là, c'est un autre, c'est un riche producteur juif de Genève. Et regardez ce qu'il avait dit. Moi, je vous ai parlé de Dieudonné. Je sais pas ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, et tout ça est ambigu, et tout ça a une petite odeur. Et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre, Que faites-vous, madame Taubira? Vous n'allez pas faire des négresses de maison jusqu'à combien de temps? Vous m'avez fait poursuivre la justice française pour Chohananas, condamné à 20 000 euros. Vous vouliez me foutre en tôle? C'était ça le projet? Chohananas. Et là, l'autre à l'envers, lui, il est là, il est bien. Quoi, il vous paye? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi je trouve que le seul racisme qui existe en France aujourd'hui, il faut le dire, c'est le racisme anti-goy. Il n'y a que